Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est super. Aujourd'hui, petite vidéo. Voilà, là, ça va être plutôt sur les canards. Et si on a le temps, on fera la nouvelle, nouvelles de l'élevage. Deux poules qui sont ici. Alors, les cantons, mais bien sûr, ils sont nés. Voilà. Alors là, nous avons une poule rousse qui pond. Et nos canetons, il y en a 10. Voilà, ils sont sous la canne. La nourriture mélange blé plus nourriture pour poussin. Et voilà. Alors, il y en a deux, je crois, qui sont pas nés. Sinon, après, ils sont tous nés. Ah, ils sont nés 3 jours. Depuis 3 jours, il y en a qui naissent. Voilà, on va pas pouvoir les voir, c'est ça le problème. Bon, sinon, vous voyez, on voit un peu les queues. Voilà, c'est déjà joli. Voilà, je suis très content. Après, le coq brama, il est vraiment magnifique. Ils vont très très bien. Voilà. Est-ce que vous me conseillerez de faire une petite couvaison en couveuse de quelques œufs de poules pondeuses et quelques œufs de poules de race, de naines, voir. Est-ce que vous me conseillerez de le faire ou pas? Ou il faut que j'attende l'été parce que... Conseillez-moi parce que moi je sais pas là. Je sais pas si je fais une couvaison ou pas. Alors dites-le moi par commentaire. Voilà. Sinon ils sont là. Voilà, on peut bien les voir là. Voilà, il y a une tête. Voilà, ils sont très très mignons. Bon, on va essayer d'aller voir les autres poules. On laisse passer les poules. Voilà, c'est bon. Voilà, je ferme pour pas qu'ils partent. Pour pas que la canne parte. Là, il y a toujours les 4. Voilà, je voulais faire une couvaison d'œufs de ce couple de poules. Voilà. Alors, vous pouvez me conseiller ou pas, si je le fais ou je le fais pas, ou j'attends cet été. Le coq brama, là, il chante, il est très très joli, il est vraiment magnifique. Il a presque sa taille adulte, là. Il commence tout juste à chanter, ça veut dire que bientôt il va être adulte. Voilà, celle-là, elle est encore jeune, la poule là. La jaune est très belle, la blanche est très belle. Voilà. Ceux-là, je les ai pas encore vendus. Les coqs pékins, voilà, ils montent très bien aussi, mais toujours pas d'autres poules. Et ici, ben, nos deux petits poussins ont bien grandi. Voilà, je pense que celui-là, c'est un petit naine. Il est coupé de poules naines. Et celui-là, ben, c'est un poule pondeuse. Voilà, c'est deux petites poules, hein. Pas de coqs. Bien sûr, j'avais gardé les deux poules. Les autres, je les ai vendus bébés. Et après, il y en a qui sont morts. Voilà. Bon, voilà, voilà. Si la vidéo vous aura plu sur les cantons, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et aussi, j'avais remarqué que les vidéos sur les cochons d'Inde vous avez pas tellement plu. Alors, dites-moi si c'est parce que vous les avez pas vues ou si c'est parce que ça vous plaît pas. Vous pouvez me le dire par commentaire si ça vous plaît pas, les vidéos sur les cochons d'Inde. Parce que sinon, ben, j'en ferai quand même moins. Parce que là, depuis que je les ai, ben, je vais commencer à en faire. Bon, allez. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Il monte les poules, je comprends pas. Il monte les poussins, ce coq. Ouais, ciao.